Du coup, attends, quoi? C'est quoi ce match-là? C'est quoi ce match de Winners Finals qui se lance tout de suite? Pourquoi Pikachu? Et pourquoi c'est genre pas Nico qui joue ouais, c'est pas Nico qui joue Palutena, mais c'est Nae et Nico qui joue Pikachu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont inversé les personnages ou presque, genre quoi? Bon, après je pense que globalement il se met très bien hein, le Pikachu de Nico face à la Palutena, parce que bon bah les combos hein, c'est un plaisir de mettre ça sur Palutena, ça fonctionne très bien. Attention, voilà, bam. Excellent, bam, on trouve les bonnes punitions, get up, la roll-out et tout. On punit bien, il roll beaucoup out, Nico il va chercher à punir ça après. Bam, en tout cas, on trouve les bonnes ouvertures et tout, on met les bons pourcentages jusqu'à présent, même si quand même, Nico il arrive à bien rattraper tout ça. C'est trop perturbant de parler de Nico, mais de parler en tant que Pikachu, genre, et pas de Palutena. Clairement, c'est pas un truc habituel à voir. Bam, dash attack, on va monter toujours les pourcentages, on se met bien. C'est vrai que Pikachu ça peut galérer à tuer, donc c'est une bonne idée de toujours monter les pourcentages. Bam, on cherche voilà, le petit back air qui fait plaise, histoire de bien se remettre. Voilà, petite downtilt qui est une tout back air. Ici on exécute bien les mouvements. Et ouais, exactement. Intro pour ailleurs qui ne connecte pas, on est patient, on évite de trop commit, mais on lâche le bouclier trop tôt ou bien sachez le poke. Et du coup ça permet déjà à Nico de prendre la deuxième stock, de prendre la première stock. Et du coup bah bam, on est even. Personne n'arrive à retrouver de vraies phases d'avantage, quoique Nico il se met bien. Attention, non, ah oh, j'ai cru qu'il était mort. J'ai vraiment cru qu'il était décédé parce que j'ai cru qu'il avait SD. Mais non, c'est bon, on arrive un peu à revenir dans le match, on se met bien. Bam, oh, attention, ça connecte pas tous les hits. Assez particulier, hein, les multi-hits dans Smash Bros Ultimate, hein, toujours un plaisir. Et voilà, petite back throw. Ici, on va reprendre un peu contrôle, mais on a quand même un Pikachu, un personnage qui va très vite. Donc, qui du coup permet aussi de récupérer le neutral très vite. Et bam, le petit F-Smash au ledge, histoire de punir la get-up un peu trop haute, la Rico un peu trop haute. Et du coup on a une belle stock d'avance du côté de Nico, qu'une soixantaine de pourcents, mais quand même avec une stock d'avance il se met bien. Tac, down throw into upper, pas de follow up forcément, c'est dommage et tout. Mais du côté du derrière, et ben, on a Nae qui cherche bien les bons combos, il cherche à être safe, il cherche un peu les back air et tout, il se met bien. Jusqu'à présent le Pikachu de Nico il fonctionne, hein, aussi surprenant que ça puisse l'être. Tac, down throw into. Attention, voilà, ça on se repositionne bien, on évite de trop commit. Oh là là, là, ça joue bien, ça joue bien. Ouh. Bam, neutral air, into back air, into. Rien du tout. Into rien du tout parce qu'on arrive à se repositionner, on se remet bien, bam. Grâce au jolt et tout, on a réussi un peu à punir un peu les landings un peu osés du côté de Nae, mais derrière, on se SD, c'est dommage. C'est dommage, et du coup ça permet à Nico de gagner ce premier match de Winners Finals. Clairement, Nico, on lui a fait remarquer qu'il n'avait pas gagné une seule fois le SW, alors qu'il avait déjà gagné au Checkpoint, bon, il n'y avait pas Nae, mais ça compte. Clairement, il s'est dit, bah nique ça, je gagne. Du coup, est-ce que ça va rejouer les mêmes persos? Ah, c'est rigolo. Le Pikachu, encore une fois, contre. Non mais... Oui, effectivement, c'est déjà... Testons. En major ou en retournage, je pense que Wolf c'est la solution. Ça trouve des très bons matchs à voir et tout. Juste une petite problème, c'est juste qu'il faut... Ils sont en train de discuter actuellement. Ils parlent du match-up et tout alors qu'on est en Winners Finals. Pourquoi pas. En vrai ils ont le temps hein, parce qu'il faut que le loser s'avance. Donc clairement ils ont le temps. On est patient, on trouve un petit back air repère, pas de back air follow up, c'est dommage. Et derrière on trouve les forward et forward air et tout, c'est bien, on se repositionne, c'est un peu genre balle de ping pong, hein, service à toi, service à moi. Pas forcément des bons enchaînements, mais c'est dommage, mais c'est pas grave. C'est pas... Oh attention, il y a une ride à faire là. Tu... Bam, on est patient. Ouh, il trouve les bons enchaînements, hein. Nico il a pas fait ses combos et clairement Nae il a un peu de mal là-dessus, c'est vrai que ça doit être assez particulier pour... d'affronter Pikachu autant que Wolf. Et bam, EPR,
quel plaisir, on monte bien les pourcents, tac, on cherche les bons enchaînements et les combos starters, bam, upper, downshift, voilà, c'est ça, on est patient, on évite trop comique, voilà, c'est ça, bouclier, on lâche le bouclier. Quel plaisir. Clairement, bonne get-up attack, on se met bien. Oh oui, et oui, et dans le no smash, bam, petit no smash qui lui touche loin, et du coup bah oui, c'est vrai que c'est un peu le problème de Pikachu globalement, la mauvaise portée, et du coup on se fait plaisir. Voilà, c'est ça, on repositionne bien, on utilise les bons coups disjoints de Wolf, mais derrière attention, mal DI la dash attack, et qui du coup permet de prendre à Nae de prendre le premier match, premier stock de ce match enfin, parce que quand même ça date un peu, c'est vrai qu'il se faisait un peu boxer, mais attention derrière on se fait envoyer très loin du côté Wolf, attention, et en plus on se met bien, on se prend la pression, on est patient. Tac, on cherche vraiment les combos starters et tout, les neutral air et les upper. Et attention, forward air, back air, le magnifique combo de Wolf. Quel plaisir, c'est Charlie Dagging aux manettes. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Quelles grosses dingueries là, quand même, petit back air, petit down air et tout, pourquoi pas. Oh oui, oh attention, neutral air, into petite, into pas grand chose, mais si, on se repositionne bien, on met les pourcentages, on met les petites dingueries, et bam, la dash attaque encore une fois, on monte encore les pourcentages. Clairement, on se fait plaisir. Voilà, c'est ça, il a sauté et du coup il s'est pris le up smash magnifique et qui du coup permet à Nae de gagner cette deuxième stock. Enfin, du coup il arrive à retrouver un peu un momentum avec son Wolf globalement parce qu'il se faisait un peu boxer jusqu'à présent, mais là il arrive à bien rattraper. Et oh là, magnifique down smash, into rien, mais on se repositionne. Bon catch du saut, on se fait plaisir, attention, ça commence à être un peu compliqué globalement pour le Wolf de rester en vie parce que là, 162%, ça commence à être un peu indécent. Les confirme neutral air into down smash, quel plaisir. Et du coup, permet de rendre ça un peu équivalent, bam. On cherche un peu les sauvageries. Hein. Clairement, on trouve on cherche les petites dingueries, ça fait plaisir. Et tac, back air into, non, on trouve rien, mais c'est pas grave, on monte les pourcentages, on se fait plaisir, on envoie un peu au stage, on arrive à passer un peu au-dessus, c'est ça, on évite de se prendre le dos match, j'évite de se retrouver en situation de trap un peu horrible face à Wolf, parce que ça peut être horrible. Tac, la utile tout, on cherche pas à punir, c'est bien, on s'est envoyé au stage, le coup de crâne qui va envoyer un peu trop, non c'est bon, il arrive à revenir, on se fait plaisir. Oh oui, il avait clairement une bonne position pour la spot dodge, mais il a pas trop pu en profiter. Et derrière, eh ben, on se prend un petit back air, et du coup, ce qui permet à Nae de revenir un peu dans le set. Ce qui permet à Nae de rendre ça un peu équivalent. Je suis sincèrement désolé au niveau du cast, là j'ai un peu mal au crâne et j'ai mal à vraiment bien dire ce que je souhaite prononcer. Mais voilà. On va en partir du coup sur le même match-up, hein, globalement match-up très violent, même si c'était bien, bien patient. On a évité de se prendre les petites dingueries. Tac. Bon, du coup c'est vrai que c'est quand même, ça a beaucoup joué au niveau des neutrales et tous les combos starters, magnifique. Up throw into upper, magnifique, voilà on est patient, on se repositionne bien, mais derrière on trouve les petites phases, hein, 48%, 43% plutôt, bam déjà infligé, ça fait un plaisir, forward air et tout, on monte bien les pourcentages, on se fait plaise. Oh ouais voilà, il cherche clairement les combos, en vrai ça aurait sûrement déjà tué, hein, le forward air back air à ces pourcents là. Ça aurait fait plaisir de prendre déjà cette première stock. Et c'est vrai que du côté de Nico, là on a un peu de mal et tout à bien sortir des combos. C'est vrai que bah, globalement, quand il se met bien, il fait peur, il fait très peur. Bam, on arrive à bien, on revient, petit neutral air et tout. Ouh, attention, on trouve greedy le combo, et du coup on se fait bien par le smash, magnifique. Ce qui permet vraiment à Nae de se mettre très bien avec son Wolf jusqu'à présent, hein. Vraiment il a appris le match-up jusqu'à présent parce qu'il a galéré pas mal jusqu'avant. Back air into non c'est bon, on arrive à retrouver le momentum, on se fait plaisir, forward air tac, on se met bien, on fait les bons pourcentages.
trailer. Voilà, voilà, on cherche les Thunder. On n'en a pas vu beaucoup jusqu'à présent. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué à placer. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de throw avec des up throw par exemple. Hein. Pikachu, il en a une up throw. Up throw qui peut tuer en plus, faut l'oublier. Et attention, bah, l'énigme neutralaire et tout pour reprendre un peu la position. Ouh, les deux smash qui étaient bien trouvés, qui étaient bien utilisables. Donc, tac, on est patient, on évite de se prendre une trop grosse dinguerie. Attention, attention, voilà, c'est ça, c'est bien. Il a bien retreat en l'air et tout, évite de se prendre les petites sauvageries de Nico. Attention, voilà, ça, le Tomahawk F-Tilt. Quel plaisir, qui du coup permet à Nae déjà d'avoir deux stocks d'avance. Il se fait plaisir. Clairement, Nico doit rattraper son retard parce que là, ça commence à faire très peur. Ça va faire très peur, surtout qu'en plus il se prend bien la sauce. Oh, attention, voilà, c'est ça, il arrive à bien rattraper le ledge. Heureusement, en évitant tous les trucs, parce que Naï faisait hyper peur avec toutes ces options là qu'il avait sorties jusqu'à présent. Donc, ouais, là ça fait un peu peur, ça fait même très peur. Sûr, c'est ça, on est patient. Petit backer. Oh là, ça, ouh, mais c'est vraiment très dommage parce que tous ces coups ont whiff, mais clairement il y avait des bons trucs à faire, il y avait des très bons positionnements derrière parce que bon, le petit forward derrière, le petit F smash et tout. Peut-être pouvoir essayer de revenir de côté de Nico, hein, 78% seulement, c'est rattrapable. Bon, après Pikachu ça peut galérer à tuer, bam. C'est vrai qu'il il a beaucoup de mal à faire un peu les mini-postes. Après, ça doit être Nae qui fait les bonnes SDI. Donc, ouais. Attention, bam, petite down throw. Oh, voilà, on arrive à pouvoir trouver le positionnement grâce à ce petit EB un peu particulier. Ce neutral air, vraiment, il est indécent, celui de Pikachu. Il fait trop plaisir. Oh, ouais, c'est ça. Oh, dashback et tout. On est patient. Bah, bonne dash attaque et tout, on monte pour toujours les pourcentages. Un peu greedy de faire un Thunder ici, mais pourquoi pas, on va se repositionner un peu mieux et tout, on arrive à retrouver un bon truc et bam, on se prend un EPR magnifique et qui du coup permet à Nae de deux stocks en plus. Pikachu de Nico, le fameux Pikachu de Nico, je sais pas si je travaille forcément Pikachu, mais pourquoi pas. Excusez-moi, je regarde juste un truc qui me perturbe. Je crois que l'écran est un peu décalé. Je sais pas qui a touché. Non mais attends, il est pas bon encore. Voilà, c'est bon, excusez-moi, l'écran il avait un tout petit problème de positionnement. Enfin bref, du coup, on ressort du coup enfin la Palutena, histoire de jouer un peu au jeu. Enfin, c'est toujours Wolf de Nae, donc quel plaisir. Quel plaisir jusqu'à présent. C'est ça, bon truc pour retreat et tout, on se positionne bien du côté de Nae. Voilà, bon, excellent ledge trap hein, globalement. Ouh, la DA qui a failli, bah oui, parce que c'est pour ce stage-là, ça aurait pas été déconnant de mourir, mais bon, il s'est vraiment retrouvé dans le coin du coin. Et la bonne backstroke qui cette fois tue, celle-là, elle tue au moins. Même le pourcentage un peu indécent. Et bam, neutral air into, voilà, on cherche le back air, bam, il a bien réussi à reculer un peu, mais derrière on se prend quand même les bons enchaînements de Nico, on se met très bien, 60%, 70%, clairement ça fait les dégâts, ça fait les plaisirs, quelle régalade. Bam, le petit upper pour reprendre encore plus le momentum et tout, on se repositionne bien, quel plaisir. Là cette fois la backthrow qui va tuer, cette fois-ci même s'il est parti bien en coin, et bah il va mourir, c'est pas grave, 170%, clairement il a eu une bonne avance qu'il a réussi à gratter jusqu'à présent, en plus on s'entend un peu sur le trap et tout, et Nae qui arrive toujours à bien revenir, et il trouve les bons enchaînements, oui, 2-1 pour Nae. Et attention, et cette fois ça va prendre avec le petit side B incroyable et qui du coup permet à Nico de prendre encore une fois, garder, conserver vraiment son avance qu'il a jusqu'à présent.
Et voilà, c'est ça, back down throw into upper, upper. Oh là, magnifique. Ouh, ça commence à faire très peur. Bam, alors, il couvre tout, il est magnifique là-dedans. Excellent juggle qu'il avait jusqu'à présent. Bon back air pour reprendre un peu le neutral parce qu'il se retrouve en position un peu délicate. Back throw, bam, on monte les pourcentages, hein, c'est pas grave si ça tue pas encore. Bon, il arrive à sauter sur Nico arrive à pouvoir sortir de cette position de ledge trap qui se prend. Mais attention, le B un peu trop haut qui va permettre du coup à Nae de punir ça avec un down smash magnifique. Du coup on revient à une stock even, hein, mais clairement Nail est à une remontada de clairement gagner la winners finale. Oh là, ending neutral air, magnifique, oh là là, Nail qui est incroyable là-dessus. Clairement quand il arrive à bien trouver les momentum, hein, après c'est Wolf, hein. Wolf c'est toujours un plaisir là-dessus, dès que ça arrive.